Ce que je peux vous dire, bah déjà, il faut faire quand même attention aux moindres petits trous, d'accord? C'est bon, ça, on est habitué en roue, enfin, beaucoup moins maintenant avec toutes ces roues avec suspension. La conduite est quand même assez étonnante. Qu'est-ce que t'en penses, Fouque? Ah, c'est super maniable. C'est super maniable, mais en fait, on n'incline pas comme ça, en fait, on roule comme ça, quoi, pour tourner à gauche, à droite. C'est bon? Bon, cette petite roue, elle est vraiment mignonne. Moi, j'adore le phare, hein. L'énorme phare devant, franchement, bah, j'adore, quoi. Le feu stop, pareil, aussi à l'arrière, très, très visible. On aimerait bien qu'il y ait des feux aussi gros que ça sur ma Sherman S, hein, qui est tout petit, le feu sur la Sherman S, alors qu'elle est énorme. Bon, le design, j'aime bien. Les pédales, bon, je pense qu'elles suffisent. Alors, Fouque me disait qu'on peut mettre des pédales Milano V, mais là, il y a des petits crampons qui sont pas mal. Mais on va pouvoir intégrer quand même ces petites pédales-là, qui sont vraiment, bah, tout le monde connaît les pédales Milano V, franchement, elles ont fait leur preuve. Et c'est une roue qu'on va pouvoir pas mal customiser, d'accord? Comme vous avez pu le voir, bon, bah, il y a Bonheur sur scène qui a créé son propre trolley. Mais cette roue, on a la chance de pouvoir mettre des pneus. Alors, comme vous pouvez le voir, ils ont mis le pneu à l'envers, d'accord? Mais bon, ça n'a pas trop d'incidence. Et donc, sur cette petite roue, on va pouvoir installer différents types de pneus. Raph, Bonheur sur scène, a installé celui-ci, il me semble, un PM600, d'accord, Stradal, qui est un pneu que vous allez pouvoir utiliser par n'importe quel type de temps, d'accord, et ça change vraiment la conduite. Hein. Ce pneu-là, qui est au final, même quand on le surgonfle, reste quand même très carré, ça c'est à cause de la jante, en fait, qui reste très carré, c'est pas terrible à la conduite. Enfin, il y a mieux. Une fois qu'on a essayé ça, franchement, c'est le jour et la nuit. Et surtout, surtout, l'été, vous allez pouvoir mettre des PMT100 slick, d'accord? Ça passe easy dessus et la conduite est encore mieux, hein. La sensation de conduite, ça amortit un peu mieux, tu es d'accord avec moi, hein. Il y a beaucoup plus de confort avec des PMT slick comme ça et ça tient très très bien, il faut faire attention quand il pleut. Et encore, vas-y, qu'est-ce que tu voulais me dire? On a des plus petits pneus, donc les mêmes en 90. Alors là, on a des PMT 100, là on a des PMT 90 qui ont une forme un peu plus arrondie. Du coup, elle va être un peu plus joueuse, d'accord? Il y a moins de surface au sol, le contact, elle va être un petit peu plus agile, quoi, c'est ça, hein? Le pneu, c'est ça, plus agile, exactement. Plus agile. Moins lourd et plus léger. Du coup, pour ceux qui n'ont pas vraiment besoin de confort, moins besoin de confort, plus d'agilité, ils gagnent aussi de l'autonomie. Ça consomme moins. Oui, ça consomme moins avec ça. Et ça, donc ça, c'est un PMT 100 Rain, c'est ça? Qui est 90 ou en 100? Celui-là, il doit être en... Celui-là, il est en 100. En 100, ouais. Mais il existe aussi en 90. Donc, c'est comme ça. Hein. Donc, il y a les PMT 100 Stradal, moins agile que le PMT Stradal 90. Et il existe celui-ci aussi en 100 et aussi en 90, d'accord? Pour que ça soit un petit peu plus agile. Et ce pneu, il a une accroche, mais vraiment exceptionnelle, hein, sous la pluie. La gomme est vraiment très, très tendre. Je vois, j'enfonce mon ongle dedans. Impossible de glisser avec ça. Impossible de glisser. C'est vraiment... c'est du velcro, il y en a même qui s'en servent même quand il ne pleut pas, en fait. Mais la gomme s'use très, très vite. Ouais. Donc, voilà ce que je peux vous dire sur cette petite roue M10-4 qui est vraiment toute charmante. Alors, je sais que vous êtes nombreux à me poser la question qu'est-ce que j'en pense, d'accord? Bah, c'est vrai qu'il y a des grosses roues, on aime tous les grosses roues en ce moment. Mais une petite roue, c'est toujours pratique, surtout une petite roue comme ça. Parce que, en fait, vous allez pouvoir la mettre facilement dans votre sac à dos. Alors moi, je bouge énormément, je fais peut-être 60 bornes, mais souvent, des fois, ma Sherman S, je suis obligé de prendre le train dans certaines occasions. Et c'est vrai que c'est un petit peu galère pour la monter dans le train, etc. Et c'est vrai qu'une petite roue comme ça, c'est beaucoup plus facile à la glisser dans le sac à dos. Raph, quand il vient chercher des modèles d'essai, comme cette Master Pro ou la Sherman, etc., qu'il vient récupérer chez Fast Ride, il a toujours cette M10-4. Il arrive toujours avec cette M10-4, qui après, il met dans son sac à dos. Et il repart avec le modèle d'essai que Fastrack lui prête pour faire sa vidéo. C'est assez rigolo. Jusqu'à 40 km/h, en fait. Ouais, jusqu'à 40 km/h. Ça fait ça quand vous allez trop vite. Elle bip à 45.
Bah non, on est bridé à 27 km/h, c'est vrai. La batterie, on n'a pas parlé de la batterie, c'est quoi comme batterie dedans? 750 watts. 750 watts, donc c'est 72 volts, enfin 84 chargés. Donc 72 volts, 84 chargés, 750 watts. On va faire combien de kilomètres avec ça? Bon, pas beaucoup quand même. 50 kilomètres. Ouais, parce que bon, ça roule pas vite. Ouais, 40. Un mix, ouais. 40 kilomètres d'autonomie, quoi. C'est vraiment pas mal. Bon, c'est normal, hein, c'est Sarah, c'est la formatrice de chez Fast Ride. Hein, je vous rappelle, ceux qui veulent apprendre à faire de la roue, eh ben, c'est Sarah qui va vous apprendre à faire de la roue. D'accord? Il y a des cours d'une heure d'initiation chez Fast Ride. Il y aura tout dans la description de la vidéo. Ceux qui ont un peu plus de mal, c'est 2 heures. Un deuxième cours, c'est pas plus mal. Mais généralement, en une heure, on a les bases. Alors, je dis pas que vous allez réussir à faire de la marche arrière comme Sarah et tout. Mais bon, voilà, il faut au moins faire 1 heure d'initiation pour avoir les bonnes bases. Pas faire n'importe quoi comme moi, hein, j'insiste, parce que moi, j'ai appris tout seul. Et bon, voilà, j'avais surtout du mal à démarrer, m'arrêter. Et puis, j'aimais bien me casser les perronnés. Je vous mettrai la petite vidéo, d'ailleurs, de mes débuts ici en Giroro. Gauche. Gauche. C'est quoi le flamme? Donc voilà cette petite vidéo sur cette N10-4 bien rigolote que j'adore. J'adore son format, je vous l'ai déjà dit, je me répète. Et j'adore la possibilité de pouvoir mettre les pneus qu'on connaît tous, les pneus PNT. Pour ceux qui veulent la réserver, il y aura tout dans la description de la vidéo. Il y a 2 options. Soit bateau, soit avion. En avion, si vous prenez l'option avion, elle est là en 1 semaine, 10 jours. D'accord? Si c'est bateau, des fois, c'est souvent un peu plus long. C'est 1 mois, 1 mois et demi. Tout dépend si Fast Ride l'a en stock ou pas. C'est à 1200 euros. Normalement, c'est 1299, mais il y a une remise actuellement 1200 euros au moment où je vous parle. On n'oublie pas le code Jeff Ride pour avoir moins 5% supplémentaire. Et par avion, c'est 1500. C'est ça, c'est 300 euros de plus. Mais il y a aussi le code Jeff Ride pour avoir 5% supplémentaire sur cette N10-4. Je crois que je vous ai tout dit. Bon, bah, je vous laisse. On n'oublie pas, on s'abonne, on like, on commente si on a la moindre question. Et puis, je vous dis ciao, ciao. Alors, la conduite, oui, c'était mes genoux. Bon, je vais pas vous parler de performance. La vitesse, c'est quoi? Oh, il sait même pas. Sorte mon anti-sèche. Pour ceux qui veulent la Rési. Et le cours sera réservé. C'est pas français, bonjour. Comment perdre un doigt, tu sais? Aïe, aïe. Alors c'est bien que, tu vois, je parle de Sarah, elle me montre ses fesses. Non, il parle de mon cul, mais alors le sien dans cette position. Qu'est-ce que je suis mauvais. Qu'est-ce que tu veux?